On commence l'entretien. Je suis prête. Vous le voulez, ce poste? Oui, je le veux. Montrez-moi les crocs. Je ne veux pas de la piste de navet dans mon moteur. Je veux du super. Ah, c'est du beau travail. Imaginez que je travaille dans la communication. Votre qualité principale? L'organisation et l'énergie ex-aequo. Votre présentation, c'est de la cuisine sous vide. La photo fait envie de plein de pas de goût. Tout le monde me attend que reste sous ma tête à faire des galipettes et baiser en chantant. Ah, j'aime beaucoup. Complètement barré cet entretien. Tout ça, j'en suis sûre pour passer mes journées à faire du PowerPoint. Et les clients? Il ne faut pas les séduire. Vous pensez que les gens vont acheter de la Javel si on la leur balance à la tronche sans préliminaire? Quand on est handicapé, on reste tranquillement assis derrière son bureau. On ne fait pas la fière. Vous n'avez pas de mépris pour vous. Et vous vous êtes tourné en ridicule. Là, j'ai plus rien laissé comme ça. Oh, oh, c'est pas un joli sentiment, mais ça m'a dégoûté. Vous sentez? Vous sentez? Quoi? Le parfum de la vérité. Je ne sais pas si je vais continuer, je crois que je n'y arriverai pas. C'est normal de se sentir en danger, de perdre confiance quand on s'est défait de sa carapace. Il n'y a rien de plus fort que d'être enfin face à soi-même, pleinement, entièrement, sereinement.